Bonjour, Sainte-Martha. As-tu fait une bonne sieste? Bonjour, Sainte-Faustina. Oui, merci. Excellente. Que regardes-tu avec cette longue vue? Je scrute la terre. Que cherches-tu? Des hommes sandwichs. Des hommes sandwichs? Oui, des hommes sandwichs, des vaches, des brebis, du miel. Des contremaîtres, des usines, des ouvriers. Et tu vois quelque chose? Ben, pour l'instant, non. Mais j'aimerais t'en trouver. Martha, tu m'inquiètes. Veux-tu m'expliquer ce qui se passe? Écoute, Faustina, j'ai fait un rêve étrange et troublant. C'était un chant d'allégresse qui montait de la terre. Il disait que maintenant les hommes nagent dans le bonheur. Il y avait des paroles comme « Les hommes sandwich ne se mangent plus entre eux » ou encore « Les contremaîtres dans les usines versent leurs ouvriers. » Vaches et brebis viennent picorer le miel sur nos habits. » Tu sais, Martha, je ne voudrais pas te décevoir, mais j'ai bien peur que tu aies mal compris ton rêve. J'ai bien peur qu'il ne soit qu'une amère dérision. Tu sais, moi aussi j'ai des nouvelles de ce qui se passe sur la Terre. Parce que toi aussi tu fais des rêves, Faustina? Non, je lis. Tiens, tu connais ce livre? Dino Buzzati, Le Cas. Je l'ai pris à la Bibliothèque du Ciel. Tu la connais? C'est Saint Hermogène qui s'en occupe. Tu ne le connais pas non plus? Martha, tu crois pas qu'il faudrait que tu t'informes un peu plus sérieusement? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ton livre? C'est pas vraiment une histoire. C'est une série de petites histoires courtes. Les unes sont merveilleuses. Mais le plus souvent, elles sont tristes ou inquiétantes. Elles parlent d'amour trompé, de jalousie, de haine, de vanité. Ah, c'est moins beau que dans ton rêve. Heureusement que l'auteur a beaucoup d'humour. Mais ce titre, Le Cas, c'est curieux. Étrange, en effet. C'est la première nouvelle du livre. Cette nouvelle raconte l'histoire d'un marin qui a parcouru toutes les mers du monde, poursuivi par un squale effrayant et mystérieux appelé Le Cas. On nous dit que ce monstre, quand il a choisi sa victime, est capable de la poursuivre pendant des années jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Comprends que tous les navigateurs le redoutent. Effectivement, c'est effrayant. Mais est-ce qu'il se manifeste souvent, ce cas? Mais en fait, on ne sait pas grand-chose de lui. Les scientifiques et les naturalistes ne le connaissent pas. Certains prétendent même qu'il n'existe pas. Et le marin de l'histoire, est-ce qu'il finit par se faire dévorer? Non. Figure-toi que le monstre ne poursuivait pas sa victime pour la dévorer, mais pour lui remettre la perle merveilleuse qui procure argent, puissance, amour et paix de l'âme. Tant mieux alors. L'histoire finit. Et malheureusement, quand il a reçu cette perle, il était devenu vieux, très vieux. Il était à la veille de sa mort et il n'a pas pu profiter de tous ses dons. En somme, il a trimé toute sa vie et usé son existence à pourrir après des chimères. Et il n'a guère été heureux. Mais toi, Faustina, quand tu étais sur la Terre, est-ce qu'il t'est arrivé d'être heureuse? Mais personne sur Terre ne peut être heureux. Tiens, regarde un peu ce qui se passe en bas. Ils sont des milliards et des milliards. Aujourd'hui, il fait une journée splendide, avec un soleil magnifique, pas trop chaud. Il souffle même un délicieux petit vent frais, les arbres sont en fleurs. Ils devraient être contents, non? Montre-moi un seul au milieu de ces milliards d'hommes qui soient contents. Je n'en demande pas plus. Mais si tu me le fais voir, je te paye un de ces dîners. Ça risque d'être long. Oh, au nom d'une pipe! Ça y est, je crois que je le tiens. Là-bas. Sur la place du village à côté de l'église, il y a un homme. Un homme qui tient
qui tient dans sa main une ficelle avec une énorme grappe de ballons de toutes les couleurs. Oui, il y a une petite fille à côté de lui. Elle a les jambes maigres et un peu arquées. Elle implore sa maman du regard, elle voudrait bien un ballon. Et la maman va céder. Attends. Attends, oui, ça y est. Oh, si tu voyais le regard de la petite fille. Elle est rayonnante. On dirait une mariée qui sort de l'église. Elle est la plus belle du monde. Et ses jambes ne sont plus arquées. Un simple ballonnet de caoutchouc a suffi à la rendre heureuse. Tiens, regarde, Faustina. En effet, quelle joie sur le visage de la fillette. Oh, Martha, je suis encore plus heureuse qu'elle et je vais te payer un petit dîner. Mais, oh non, c'est pas possible. Et en plus, il ricane. Sale garnement. Mais qu'est-ce qui se passe, Faustina? Un garçon avec une cigarette, ça fait... Quelle cochonnerie, ce monde! On pourrait penser qu'il ne parvient jamais dans les suaves jardins du paradis. La moindre rumeur de l'humanité. Ni fracas des moteurs, ni sirènes, ni coups de feu, ni hurlements, ni explosions atomiques. Et pourtant, les sanglots de la petite fille arrivèrent et résonnèrent d'une façon effroyable d'un bout à l'autre. Car il est vrai que le paradis est le lieu de la paix éternelle et de la joie. Mais jusqu'à un certain point, comment les saints pourraient-ils ignorer les souffrances de l'homme? Ils se demandèrent même comment le Tout-Puissant, au moment de la création, avait pu avoir un tel moment de faiblesse en créant l'homme. Le Tout-Puissant avait déjà construit l'univers, disposant avec une irrégularité fantaisiste les étoiles, les nébuleuses, les planètes, les comètes, et il était en train de contempler ce spectacle avec une certaine complaisance quand un des innombrables ingénieurs projeteurs à qui il avait confié la réalisation de son grand projet s'approcha d'un air affairé. C'était l'esprit Odnon, un des plus intelligents et des plus dynamiques de la nouvelle vague des anges. Tu désires quelque chose? Oui, Seigneur. Avant que tu n'imposes le mot fin à ton œuvre merveilleuse et que tu ne lui donnes ta bénédiction, je voudrais te faire voir un petit projet auquel nous avons pensé avec quelques jeunes collègues. Quelque chose de très secondaire, un détail comparé à tout le reste, une bêtise, mais qui nous a quand même semblé intéressant. Fais voir. Naturellement, il connaissait déjà tout du projet, mais faisait semblant de l'ignorer et simulait la curiosité. Voyons voir. Qu'est-ce que cela peut bien être? On dirait une planète. Nous en avons fait des milliards et des milliards. Faut-il en faire encore une de dimensions aussi restreintes de surcroît? Il s'agit en effet d'une petite planète. Mais contrairement aux autres milliards d'autres planètes, celle-ci présente des caractéristiques particulières. Nous avons pensé la faire tourner autour d'une étoile
à une distance telle qu'elle en reçoive de la chaleur. Ah, mais pas trop. Voici les éléments du devis avec leur quantité respective et leur prix de revient. Pourquoi faire tout cela, me direz-vous? Eh bien, toutes ces conditions préalables étant respectées, il devrait se produire sur ce globe minuscule un phénomène curieux et amusant. La vie. Il était évident que le Créateur n'avait pas besoin d'explications complémentaires. Il en savait plus long, à lui tout seul, que tous les anges architectes, anges contremaîtres et anges maçons rassemblés. Il sourit. Naturellement, parce que même si ce projet avait été élaboré par l'esprit Odnon et ses collaborateurs, en fin de compte, il provenait toujours de lui, origine première de toute chose. Merci, Seigneur. À cette vue, le Créateur fut effrayé sur le moment. Vous ne voyez pas qu'il est effrayé? Reculez! Tant qu'il ne s'agissait que d'un solliciteur, vous... Je vous appellerai chacun à votre tour. Mais si chacun de ceux qui venaient d'arriver avait à lui soumettre un projet particulier avec les explications adéquates, cela durerait des siècles. Toutefois, dans son extraordinaire bonté, il se prépara à supporter l'épreuve. Les casse-pieds sont une plaie éternelle. Il sourit seulement. Seigneur, Seigneur, vous n'avez rien à craindre? Tous ces gens ne sont que des dessinateurs et des dessinatrices. Le comité exécutif de la nouvelle planète les a chargés de réaliser les maquettes d'innombrables espèces de plantes, d'êtres vivants et d'animaux nécessaires à une bonne réussite. Tout puissant, je brûle d'envie de vous soumettre mon projet. Je pense qu'il vous intéressera. Fais la queue comme tout le monde. Retourne à ta place. Qu'est-ce que je viens de dire? Va derrière. Chaque dessinateur était naturellement désireux de voir son propre travail approuvé et éventuellement loué. Les dessins étaient faits dans de grandes dimensions, proches parfois de la grandeur nature, ce qui mettait en nette infériorité les maquettistes des organismes aux dimensions plus modestes. Évidemment, ils présentaient de petits bouts de papier de la dimension d'un timbre-poste. Il y avait entre autres l'inventeur des tardigrades, avec son minuscule album de croquis, grand comme l'œil d'un moustique. Et toi là, avec ton petit bout de papier, approche! Ah, c'est très intéressant. Je n'ai pas de place pour signer, mais j'accepte ton projet. Oh, merci, tout puissant. Allez, à ton tour, viens présenter ton projet. Seigneur, je voudrais vous présenter un projet dont je suis assez fier. Je l'ai nommé le dromadaire. Ce qu'il faut remarquer avant tout, c'est cette bosse. C'est une invention assez géniale, je crois pas. Toute modestie mise à part. Il s'agit d'une réserve de graisse qui permet à l'animal de marcher longtemps sans se ravitailler. Qu'en pensez-vous? Seigneur, Seigneur, toute modestie mise à part, je crois avoir fait mieux. Je l'ai nommé le chameau. Et je l'ai doté non pas d'une bosse, mais de deux. Ce qui lui confère une autonomie bien plus grande, une sorte de réservoir supplémentaire. Qu'en pensez-vous? Moi, j'en pense que vous n'êtes qu'un usurpateur, et je revendique l'originalité de ce projet. Ne vous fâchez pas. J'accepte vos deux propositions. À ton tour. Regardez-moi ce nez, c'est excessif. C'est même grotesque. Mais ce n'est pas un nez. C'est un organe très spécial pour lequel je propose le nom de proboscide ou trompe. C'est très amusant. Projet accepté. Allez, à ton tour. Seigneur, notre bureau d'études a
conçu deux animaux qui vont sans doute faire parler d'eux. Permettez que je vous présente le premier. Il est peu probable qu'il survive. Même s'il ne survit pas, je tiens à récompenser le talent d'artiste. J'accepte le projet. Oh, merci, Seigneur, merci. Cela est très flatteur pour nous. Permettez que je vous présente le second. On ne peut pas dire que ce soit bien beau, mais peut-être cet animal a-t-il quelque utilité particulière. Ah oui, Seigneur, il s'agit, toute bonne estime mise à part, d'une invention formidable. Ceci serait l'homme, et cela la femme. Indépendamment de l'aspect physique qui, je l'admets, est discutable, je les ai faits de telle façon qu'ils soient, pardonne-moi ma hardiesse, à ta ressemblance au Très-Haut, ce sera dans toute la création le seul être doué de raison, l'unique qui saura t'adorer. En ton honneur, il construira des temples grandioses et livrera des guerres terriblement meurtrières. Aïe, aïe, aïe. Tu voudrais dire que ce serait un intellectuel? Ah, je t'en prie, mon fils. Surtout pas d'intellectuel. L'univers en est exempt jusqu'à maintenant et j'espère qu'il le restera tel jusqu'à la fin des millénaires. Je ne dis pas, mon fils, que ton invention soit ingénieuse, mais peux-tu m'assurer de son éventuelle réussite? Que cet homme que tu as imaginé, que cet être soit parfaité, paré de qualités exceptionnelles, c'est possible. Mais en jugé par sa mine, il m'a tout l'air d'être une source d'embêtement à n'en plus finir. Non, non. Cependant, je dois reconnaître que c'est avec plaisir que je reconnais ton habileté. Et j'ai même l'intention de te remettre une médaille. Mais je crois plus sage que tu renonces à ton projet. Cet être-là, si je le laissais un tant soit peu de mou, serait bien capable un jour ou l'autre de me créer les pires ennuis. Bon, laisse tomber. La journée avait été mémorable et heureuse. Comme toutes les grandes heures faites d'espoir, d'attente de choses belles sur le point de se produire, mais qui ne sont pas encore, comme toutes les heures de jeunesse. La terre allait naître avec ses merveilles bonnes et cruelles, béatitudes et angoisses, amour et mort. Le mille-pattes, le chêne, le ver solitaire, l'aigle, l'ichneumon, la gazelle, le rhododendron, le lion. La nuit descendait. La terre fut remplie de créatures adorables et odieuses, douces et sauvages, horribles, insignifiantes, très belles. Un bruissement de fermentation, de palpitations, de gémissements, de ululements et de chants allait naître des forêts et des mers. Cela peut-être vaut-il la peine. Ah,
advienne que pourra. Et puis, en période de création, on peut bien se montrer optimiste. Alors, je vois ça. Et il apposa sa signature au bas du projet fatal. Luigi ne fit aucun bruit. Il en profita pour le plaisir de faire une surprise et avança doucement à pas de loup. Il aimait tant Clara que chaque fois qu'il rentrait, si absurde que ce soit, il avait peur qu'entre-temps elle ne soit partie pour toujours. Clara était là. Il la voyait de dos à moins de 2 mètres de lui. Debout, sans soupçonner le moins du monde la présence de Luigi, elle était occupée à apprêter quelque chose sur la table. Rien qu'en regardant sa nuque, il comprit qu'elle souriait. Quelle chair, quelle merveilleuse créature! Elle préparait, sans doute, un de ses plats préférés, et elle était toute heureuse en savourant à l'avance sa satisfaction. Soudain, elle se déplaça sur le côté. Du visage adoré, le regard de Luigi glissa sur les mains maintenant visibles. Il put enfin voir ce que Clara faisait. Sur un plateau recouvert d'un dessus de broderie, une douzaine de petits gâteaux feuilletés avec une cerise confite au milieu étaient disposés. Justement ceux qu'il savourait avec tant de plaisir. Ils semblaient parfaitement terminés. Pourtant, Clara continuait à les manipuler comme pour leur donner une touche finale. Une quelle curieuse opération! Avec 2 doigts de la main gauche, Clara détachait les cerises confites, et à cet endroit même, avec une espèce de petit poire ou de petit flacon qu'elle tenait dans la main droite, elle laissait tomber, c'est du moins ce qui lui sembla, une pincée de poudre blanche. Ensuite, elle reposait la cerise à sa place en la fixant bien sur le feuilleté. Comme Clara l'aimait! Quelle autre femme aurait jamais eu pour lui autant d'amoureuses attentions? Méditant sur sa chance, quasiment incroyable, Luigi était sur le point de révéler sa présence, quand il fut frappé par l'exceptionnelle concentration de Clara, dans laquelle il y avait, il le remarqua seulement maintenant, quelque chose de furtif, comme quelqu'un qui fait une chose défendue. Et soudain, coup de tonnerre, dans un matin de soleil, il fut assailli par un soupçon horrible. Et si, par hasard, la poudre de la petite poire était du poison. Au même moment, par une association d'idées foudroyantes, une foule de menus épisodes auxquels il n'avait pas fait attention lui revinrent à la mémoire. Maintenant, mis bout à bout, il prenait un aspect inquiétant. Certaines froideurs de Clara, certains gestes de contrariété, certains regards ambigus, certaines insistances insolites pour qu'il mange davantage, pour qu'il reprenne de tel ou tel plat. Avec un sursaut d'indignation, Luigi cherche à repousser la pensée monstrueuse. Oh non! Comment imaginer une pareille absurdité? Quelle peur tu m'as fait, mais pourquoi cette plaisanterie, mon trésor? Qu'est-ce qu'elle fait en train de faire? Tu vois, tes petits gâteaux? Et cette petite poire, qu'est-ce que c'est? Quelle petite poire? Mais si, cette poudre que tu mettais. Quelle poudre? Tu as des visions, chérie. Vais-je poser les cerises confites? Mais toi,
Dis-moi plutôt, qu'est-ce que t'as dit le médecin? Bah, j'ai l'impression qu'il n'y comprend pas grand-chose. Il parle de gastrite, de cholécystite. Mais le fait est que mes douleurs ne passent point. Et je me sens chaque jour de plus en plus faible. Oh, vous autres, les hommes. Il suffit que vous ayez un bon mot de rien du tout pour que vous me laissiez aller. Voyons, un peu de courage. Ces petits malaises, tu les avais aussi dans le passé. Oui, mais jamais douloureux comme cette fois. Oh, chérie, si c'était quelque chose de sérieux, tu n'aurais plus d'appétit. Allez, je vais finir de préparer la table de la salle à manger et je t'appelle. C'est pas possible qu'elle mente. C'est impossible qu'elle joue la comédie. Mais la petite poire ou la petite fiole, il l'a vue, clairement. Où est-elle passée? Avec une rapidité de prestidigitateur, Clara a-t-elle réussi à la cacher sur elle? Sur la table de la cuisine, il n'y a rien. Par terre non plus. Ni dans la boîte aux ordures. Maintenant, il se demande. Et pourquoi Clara voudrait-elle m'empoisonner? Pour hériter de moi? Mais comment peut-elle savoir quel est mon héritière universel? Je ne lui en ai jamais soufflé mot. Et le testament? Elle ne l'a pas lu? Ne l'a-t-elle pas lu? Vraiment? Un nouveau doute. Une angoisse le prend. Peur de mourir. Peur d'être tué. Non, pire. La terreur de perdre Clara. Parce que Luigi comprend qu'elle veut le tuer. Et c'est fatal qu'il réagisse d'une façon ou d'une autre. La démasquer? La dénoncer? La faire arrêter? Leur union se brisera de toute façon. Mais sans elle, sans Clara, comment Luigi pourra-t-il vivre? Le besoin frénétique de lui parler, d'avoir une explication, et en même temps, l'espoir obstiné de s'être trompé, que tout ne soit qu'une lubie, que le poison n'existe pas. Dans le fond de son cœur, il sait très bien qu'il existe. Clara? Allons, Luigi. Viens, c'est servi. Je viens. Clara? Je dois te dire une chose. Tu es mystérieux. Quand je suis entré il y a quelques instants, et que tu es en train de préparer les gâteaux, et que je t'ai vu, en somme, j'ai besoin de te le dire, un besoin absolu. Il y a quelques instants, quand je suis entré, et que je t'ai vu pendant que tu travaillais, tu tenais à la main un machin, une espèce de petite poire, et il m'a semblé qu'avec ce truc, tu mettais quelque chose sur les gâteaux. Tu as eu la perlue? Ah. Ah, j'aime mieux ça. Pourquoi? Elle avait un tel accent de sincérité qu'il se demanda si par hasard il n'avait pas rêvé. Et la fièvre le harcelait. Écoute, Clara, je ne me sentirai pas tranquille si je ne te dis pas tout. Quand je t'ai vu faire cette chose... Mais peut-on savoir quelle chose, enfin? Tu rêves? Laisse-moi finir. Pendant un instant... Oh, c'est ridicule, je le sais. En lui-même, il tremblait, tandis que le moment inévitable approchait. C'était peut-être la dernière fois qu'il parlait avec Clara, la dernière fois qu'il la voyait. Et cette pensée le faisait devenir fou. Et pourtant, il lui était impossible de te taire. Impossible. Pendant un instant, on ne me regarde pas comme ça, je préfère être sincère. Le soupçon m'est venu que je crois. Il y a de quoi rire, je le sais. Le soupçon, figure-toi, que tu voulais m'empoisonner. Ah, c'est comme ça. Tu en es là. C'est ça ta confiance, ça ton amour. Ça fait pas mal de temps que je t'observe. Et dire que je te faisais des petits gâteaux. Et maintenant, tu viens me dire qu'ils sont empoisonnés, hein? Écoute, Clara, ne te mets pas en colère. Ah, ils sont empoisonnés, mes petits gâteaux. Tu as peur pour ta santé? Monsieur a peur d'avoir bobo? Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais les jeter aux ordures. Je vais les jeter aux ordures, mais je ne resterai pas une minute de plus dans cette baraque. Ça fait pas mal de temps que j'en ai perdu. Je m'en vais. Je m'en vais! Et j'espère bien, grâce au ciel, ne te revoir jamais! Non, Clara, Clara!
Clara, je t'en supplie. Je plaisantais. Donne-moi tes petits gâteaux. Non. Maintenant, je ne te les donnerai pas. Même si tu devais en crever. Oh, Clara, Clara, je t'en supplie, sois gentille. Donne-moi tes petits gâteaux. Je t'ai dit non. Je les jette aux ordures et puis je m'en vais. Tu as compris? Clara, Clara, tu ne peux pas t'en aller, Clara. Donne-moi tes petits gâteaux. Demande pardon. Oui, Clara, pardonne-moi. Dis pardonne-moi trois fois. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'en donnerai un. Oh non, je les veux tous. Bon. Mange alors. Mais... La mort était un paradis, puisqu'elle venait d'elle. Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tout. Nous sommes ici pour votre père, pour vous faire tanner. Nous sommes les pensées et les idées mauvaises, les tentations, les manies, les peurs, les soupçons. Moi, par exemple, moi, je suis une des plus parfaites salopes qui soit. Je suis une femelle. Le monde est rempli de pestes communes. Les campagnes aussi, les vallées éloignées, les déserts. Il suffit qu'il s'y trouve un homme, un seul. Vous passez, tout en plaisantant et en riant, mais si nous sommes derrière vous, nous entrons en vous, à votre insu, par les oreilles. Vous ne le savez pas, vous ne nous voyez même pas, nous sommes si petits. Je vous pénètre impunément, quand et comme il me plaît. Si telle est mon envie, je vous enlèverai la paix. Je vous ferai perdre l'appétit, le sommeil, le désir de travailler et de vivre. Je peux vous faire pleurer comme des enfants, vous réduire à l'état de chiffre, vous conduire à l'abjection, au crime. Et pire. Mon nom, Jalousie. Vous voulez que je vous le démontre? Une petite preuve expérimentale sans la moindre préparation, juste pour vous donner une idée. Ce beau jeune homme, celui qui parlait avec une jeune fille au coin de la rue. Très bien, vous allez voir. C'est la première fois que je vois cet homme-là. Tout laisserait supposer qu'il est tranquille, serein sinon. Parfaitement fait. La fille est montée dans un taxi. Après un dernier tendre salut, ces deux-là se sont séparés. La pendule électrique du carrefour marquait minuit et demi. C'est le moment de terminer.
Ça valait peut-être mieux après tout. Que je la raccompagne, tu veux dire? À quoi bon? Bruna est une fille à la page. Et puis, est-ce que c'est ma faute si cette andouille de fourgonnette a démoli ma bagnole? Et puis, elle habite rue Novara, à l'autre bout de la ville. 1500 balles aller-retour au bas mot. Et puis, c'est elle qui a insisté. Inutile de me raccompagner, trésor. Tu es fatigué. Demain, tu dois aller travailler. Non, vraiment, elle n'a pas voulu. Ah oui, mais tu l'aurais vu de tes propres yeux rentrer chez elle. Comment? Ah bien oui, quoi, au moins. Tu serais sûr qu'elle est bien rentrée chez elle. Oh, ne fais pas rire. Bruna est une fille bien. Tiens, c'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Est-ce que tu n'as pas dit qu'elle habitait à Rue Novara? Oui. Allez, pour aller à Rue Novara, le taxi aurait dû aller par là en prenant un coup de et au contraire, il a pris le boulevard périphérique. Mais qu'est-ce que ça signifie? Avec les travaux qu'ils sont en train de faire pour le métro, on ne peut plus passer par Saint-Damien. C'est vrai? Ils ont mis son interdit maintenant. Ils l'ont peut-être enlevé, mais les taxis préfèrent continuer à éviter le centre pour aller plus vite. Oui, mais est-ce que tu l'as entendu dire Rue Novara en chanteur? Non. La portière était déjà fermée, je ne pouvais pas entendre. Alors, tu ne peux pas savoir si elle a dit Rue Novara ou une autre rue? Qu'est-ce que tu veux insinuer? C'est bien simple. J'explique. Au lieu de retourner chez elle, ta Bruna a pu aller ailleurs. Oh, mais je la connais bien, Bruna. Qu'est-ce qu'elle irait faire ailleurs, à cette heure-ci? Ingénue, ben. Mais justement à cette heure-ci. Et avec qui? Oh, tu le demandes? Une fille comme elle n'a que l'embarras du choix. Qui sait tout ce qui papillonne autour d'elle quand tu as le dos tourné? Combien d'occasions une fille comme Bruna fait sensation? Ce soir, à dire vrai, elle n'était pas en beauté, il faut le reconnaître. Une mine de papier mâché? Depuis quelques jours, elle a des cernes sous les yeux. Ça la fatigue, évidemment. Mais ils la font triver à la boutique. Au magasin? Ou ailleurs? Ailleurs? Où ça? Eh bien, tu viens de dire qu'elle avait les yeux cernés. Oh, ça suffit! Tu parles si, Bruna. Oui, impossible. Mais le taxi aurait dû prendre le coup de Montporté si elle retournait directement à Novara. Si tu te sens tellement inquiet. Inquiet? Tu parles? Bruna m'aime bien. Bruna est une beauté plutôt tapageuse. Et elle tient à être remarquée. Et si elle y tient, ça veut dire qu'elle désire plaire. Et si elle désire plaire, cela signifie que... Tu me casses les pieds. Et moi, comme un imbécile qui t'écoute. Je m'en vais, si tu veux. Non. Non, écoute. Qu'est-ce que tu disais tout de suite? Finis ta phrase. Je disais que si tu veux te tranquilliser... Toi maintenant, pourquoi viens-tu de te retourner pour regarder cette voiture? Quelle voiture? Une Maserati, je crois. Tu la connais? Et pourquoi devrais-je la connaître? Il y a la couille dedans. Ah oui. Ah mais tu as vu toi aussi? Mais non, je te répète. Ça vaut mieux. Comme ça, tu ne rumineras pas de mauvaises pensées. Mais pourquoi devrais-je? Avec toute l'imagination. Tu serais bien capable de croire que la fille qui était dans la voiture était Bruna. Et puis que je te dis que je n'ai même pas regardé. Je ne te donne pas tort. Entre chien et loup, comme ça, en passant, on pourrait s'y tromper. Les mêmes cheveux bouffants, tant mieux si tu n'as pas vu. Comme ça, tu ne te feras pas l'idée. Après tout, il y en a des dizaines de mille, toi, tu ne sais pas. Tu es une garce. Tu sais très bien que j'ai vu. Ça t'a fait un coup au cœur. Calme-toi. Mais qu'est-ce que tu as dans le crâne maintenant? Si elle était avec un homme, comment veux-tu pas
qu'elle soit passée justement ici où elle courait la sous-tente. Mais toi, est-ce que tu as reconnu son visage? J'ai simplement entendu une masse de cheveux, rien d'autre. Juste l'espace d'un éclair. D'ailleurs, si tu veux te tranquilliser, tu n'as qu'à rentrer chez toi et téléphoner. Non. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on lui téléphone la nuit. Le téléphone est dans la chambre de sa tante. Téléphone quand même. Qu'est-ce que je lui dirais? À qui? À la tante, pardi. Oh, je n'y crois guère, moi, à cette tante. Ça te paraît vraisemblable, cette histoire, qu'elle garde le téléphone dans sa chambre? C'est plutôt Bruna qui a inventé cette histoire. Pour ne pas être embêtée, pour... Comment? Pour éviter les contrôles pendant la nuit. Qu'est-ce que tu dis? Et puis, en mettant les choses au pire, tu te raccroches. Qui pourrait savoir que c'est toi? Arrivé devant la porte de son immeuble. Ses mains tremblent pendant qu'il cherche ce qu'il y a dans sa poche, tant son inquiétude est grande. Désormais, il est en mon pouvoir, et j'en ferai ce que je veux. Il me fait presque pitié, ce pauvre idiot. Il est entré dans la maison, il court au téléphone, il a soulevé le récepteur. Avant de faire le numéro, il reste là, incertain, comme s'il allait ouvrir une boîte de spoliers. Et puis, il se décide. De vagues cliquetis ont un tas de mystérieux. Que la vie dans son cerveau où je suis nichée, c'est un vrai tunnel. Des machins qui vont, qui viennent, se collent, se croisent, se mélangent, palpitent dans un battement cardiaque précipité. Personne ne répond. Il reste planté là dans le récepteur à l'oreille. Il n'arrive pas à se décider. De l'autre côté, personne ne répond. Moi, je traîne. S'il y avait quelqu'un à la maison à cette heure-ci, il se serait manifesté. Au lieu de cela, rien. Il est pétrifié. Sois calme. Ne t'agite pas. Elle n'entend pas. Cela fait déjà plus d'une demi-heure que tu l'as quittée. Tu penses qu'elle doit être déjà au lit endormie? Oui, mais en tout cas, ça veut dire qu'elle m'a menti. Le téléphone n'est pas dans la chambre de sa tante. N'en fais pas. N'en fais pas un drame. Les femmes, toutes, sans exception, ont leurs petits mensonges pour se défendre contre la vie. Mais enfin, l'appartement ne peut pas être aussi grand que d'une pièce à l'autre, on n'entend pas sonner le téléphone. Ah non, je pense plus. Va te coucher maintenant. Il est 1h30, ou presque. Et demain, tu vas travailler. C'est curieux. Quelqu'un devrait pourtant répondre. Dis-moi plutôt, cette tante, tu l'as déjà vue? Non. Bien sûr qu'elle existe. Tu voudrais insinuer? Tais-toi, maudite! Dis-moi, quoi? À quoi penses-tu? À rien. J'ai sonné. Non, tu penses à ce qu'elle doit être en train de faire en ce moment précis? Je ne pense à rien. Et tu l'imagines déjà avec des types de la Materazzi? Un élégant pied à terre, lui est tendu sur un divan, un abat-jour discret dans un coin, les verres de whisky, le tourne-disque, pas vrai? Et elle, assise sur ses talons, à quoi? Ne te tourmente donc pas, tu sais bien que Bruna t'aime. Ta petite Bruna est tout bonnement en train de dormir toute seule dans son petit lit. Elle n'entend pas le téléphone qui sonne. Ce type à la Maserati, elle ne sait même pas qu'il existe. Si tu laisses aller ton imagination maintenant. Assise sur ses genoux. C'est comme ça que tu l'imagines? En train de l'enlacer. Sa bouche collée contre la sienne? Allons, allons, arrête de penser à ça. Tu sens que tu vas perdre la raison si tu continues. Elle dort. Ta Bruna dort, elle aussi. Elle ne fait rien de mal. Elle n'est pas assise sur le genou de l'autre. Elle ne se laisse pas embrasser. Elle ne se fait pas de crainte. Ses vêtements n'ont pas l'enflure ici.
quelle idée. Et tout ça parce que le taxi de train que l'on portait après une barre électrique, à cause de ses fermes sous les yeux, à cause de son insistance à ne pas se faire accompagner chez elle, à cause de la fille aux cheveux crêpés qui passe en voiture, à cause du téléphone qui ne répond pas. Et voilà, votre beau jeune homme servi sur un plat. Regardez comme il respire avec peine, les yeux fixés sans voir au plafond, là où une fissure de plâtre dessine comme une tête de chien. C'est bien arrangé. Et ce n'était qu'un petit travail improvisé, juste pour vous donner un aperçu. Regardez-le bien, ce petit trésor. Il y a 2 heures, il était joyeux et sûr de soi. Suis-je ou non une belle garce? Pensez-vous qu'il parviendra à s'endormir? Grand pénitencier qui se trouve à la périphérie de la ville, réservé aux condamnés aux travaux forcés, il y a une règle en apparence humaine, mais en réalité plus que cruelle. À chacun de nous autres, les condamnés à perpétuité, est accordé l'autorisation de se présenter une seule fois en public et de parler à l'assistance pendant une demi-heure. Le détenu tiré de sa cellule est conduit sur un balcon du bâtiment extérieur où se trouvent la direction et les bureaux. Devant lui s'étend la vaste place de la Trinité. Et c'est là que se réunit la foule pour écouter. Si à la fin du discours la foule applaudit, le condamné est libéré. Cela peut paraître une indulgence exceptionnelle. Mais ne l'est pas. D'abord, la faculté de s'adresser à l'assistance n'est accordée qu'une seule fois. Je veux dire une seule fois dans la vie. En second lieu, si la foule répond non, comme c'est presque toujours le cas, la condamnation se trouve en un certain sens confirmée par le peuple lui-même, et pèse encore davantage sur l'âme du détenu, pour qui les jours d'expiation deviennent plus sombres et amers après. Et puis, il y a une autre circonstance qui transforme cet espoir en tourment. Le prisonnier, en fait, ne sait pas quand cette permission de parler lui sera accordée. La décision est entre les mains du directeur de pénitencier. Il peut arriver que l'homme soit conduit au balcon une demi-heure à peine après être arrivé à la prison, mais il n'est pas exclu qu'on le fasse attendre de longues années. Quelqu'un qui avait été condamné à la prison à vie très jeune fut conduit au fatidique balcon alors qu'il était un vieillard décrépit et presque incapable de parler. On peut donc se préparer avec le calme nécessaire à une épreuve si difficile. Certains pensent, peut-être vont-ils m'appeler demain, peut-être ce soir, peut-être dans une heure. C'est le début de l'inquiétude, et avec elle, les projets se bousculent, les idées les plus désespérées s'emberlipiquent dans son enchevêtrement de reste une nuit. D'en parler avec les compagnons d'infortune pendant leur trop brève de la promenade quotidienne.
Généralement, chacun nourrit l'illusion d'avoir découvert le grand secret, l'argument irrésistible qui décourra le cœur avare de la foule et fera de le révéler aux autres, pour ne pas être devancé. Une logique dans le temps que des gens qui se sont laissés émouvoir par un raisonnement restent sceptiques et méfiants s'ils l'entendent répéter une seconde fois. Tant moins que nous supplions ces prisonniers de nous raconter ce qu'ils ont dit, comment a réagi la foule. Ils sourient ironiquement et ne soufflent plus. On dirait qu'ils pensent. Je resterai toute ma vie en tôle. Restez-y donc aussi. Je ne veux pas vous aider d'aucune façon. De vrais salauds. Toutefois, il est fatal que, malgré tous ces mystères, on apprenne quelques petites choses. Mais dans ces vagues ragots, on ne trouve aucun élément utile. Il en ressort, en général, que dans ces discours à la foule, les prisonniers reviennent toujours sur deux arguments. Leur propre innocence et le désespoir de leur famille. Ce qui est évident. Mais de quelle façon ont-ils développé ce sujet? À quel langage ont-ils recouru? Ont-ils supplié? Ont-ils invectivé? Se sont-ils mis à pleurer? Personne ici ne le sait. Mais la perspective la plus décourageante est la foule même de nos concitoyens. Nous sommes des gibiers de potence. Nous n'en discutons pas. Mais ceux qui sont dehors, les hommes et les femmes libres, ne plaisantent pas non plus. À l'annonce qu'un détenu va parler du haut du balcon, ils accourent sur la place, non pas dans l'esprit de quelqu'un qui va devoir exprimer un jugement grave et profond, dont dépend l'existence d'un homme, mais uniquement pour s'amuser. Comme s'ils allaient à une fête. Et ne croyez pas que ce public soit exclusivement composé de la vie de bas-fond. Il y a aussi de nombreuses personnes d'une moralité exemplaire. Des fonctionnaires, des gens qui ont une profession libérale, et des ouvriers accompagnés de toute leur famille. Leur attitude est exempte de commisération et de pitié, même de simple compréhension. Eux aussi sont là pour se divertir. Et nous déjà, avec nos défroques rayés et la tête à moitié rasée, nous sommes tout ce qu'on peut imaginer, de plus grotesque et de plus abject. Le malheureux qui apparaît au balcon ne trouve pas devant lui comment pourrait le... ne trouve pas devant lui comment pourrait le supposer un silence respectueux et intimidé. Mais des sifflets, des lasers obscènes, des éclats de rire. Et alors, qu'est-ce qu'un homme déjà ému et tremblant peut faire devant un parterre semblable? C'est une entreprise désespérée. On raconte bien dans des termes de légende que dans le passé, il y a eu des condamnés qui ont réussi à surmonter l'épreuve. Mais ce ne sont que des bruits qui courent. Ce qu'il y a de certain, c'est que depuis 9 ans, c'est-à-dire depuis que je suis emprisonné, personne ne s'en est tiré avec succès ici. Une fois par mois environ depuis cette époque, l'un de nous a été conduit au balcon pour parler. Mais après, tous ont réintégré leurs cellules, la foule les avait sauvagement sifflés. Allez, viens, c'est ton tour. Oh.
Mais parle. Parle donc, on t'écoute. Pourquoi devrais-je parler? Je suis ici parce que c'est mon tour, uniquement pour cela. Et je n'ai pas l'intention de vous émouvoir. Et je ne suis pas innocent. Non, je n'ai aucune envie de revoir ma famille. Et je n'ai aucun désir de sortir d'ici. Je suis heureux dans cette prison. Allez, ne raconte pas l'histoire. Je suis plus heureux que vous. Et je ne peux pas vous révéler comment, mais quand je le veux, j'emprunte un passage secret que personne ne connaît. Et dans ma cellule, je peux aller dans le jardin d'une très belle propriété. Ah, je ne vous révélerai certes pas non plus laquelle. Il y en a tellement alentour. Là, on me connaît et on m'aime bien. Et il y a aussi... il y a aussi une merveilleuse jeune fille qui m'aime. Laissez-moi donc tranquille. Je vous en prie, brave Jean. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît. Ah non, hein, ça serait trop facile. Qu'est-ce que ça vous coûte? Oh, vous qui avez bon cœur. Allons-y, mon monsieur. S'il vous plaît. Mais donc, ce pauvre prisonnier heureux. Oh ben non! Oh ben non alors! Un prisonnier heureux! On n'a jamais vu ça! C'est tout inadmissible! On va faire sortir de tôle! Martha, un peu de respect, je vous prie. Oh, pardon, pardon, Seigneur.
Mais permettez-moi de vous recommander ce livre. Est-ce que vous connaissez ? Non. Eh bien, lisez-le et réagissez au plus vite. Sinon, on peut craindre une petite révolution dans votre paradis. Je vais voir ce que je peux faire. Elles sont bien naïves. Elles croient que je ne sais pas tout cela. Mais elles ont raison. L'homme est méchant, avide, vaniteux. Mais je ne peux plus même pas le priver de sa liberté. Oh, quelle faiblesse j'ai eue quand j'ai cédé à cet architecte de malheur. Ils sont étranges, les gens dans la rue, quand ils ne s'aperçoivent pas qu'on les observe. Celui-là, est-ce que ce n'est pas Batracci ? Oui, c'est bien Batracci, qui passe en dessous dans une voiture immatriculée MI-201. Oui, c'est bien lui. Il a une belle voiture. Plutôt. Mais est-ce que vous n'êtes pas un camarade de vous ? Oui, c'est mon camarade. Vraiment une magnifique automobile. Certes, oui. Et il a mon âge. Ne te désole pas. Tu n'es encore qu'un enfant. Cela viendra bientôt aussi pour toi. Oui, mais en attendant, pense à Batracci, à toute cette route qu'il est en train de parcourir. Jamais, au grand jamais, je ne le rattraperai. J'y sais. Il arrive tellement de choses en ce monde. Peut-être mieux jadis quand je devais rester à la maison. La situation est devenue plus difficile maintenant que je voyage, moi aussi. J'ai les yeux fixés droit devant moi. Il n'est plus question de savourer le paysage. Je suis absorbé par la vitesse. Complètement, absolument absorbé par ma conduite. Qui sait pourquoi les gens sont tellement pressés. Malheur, si on s'attarde ne serait-ce qu'un instant, on se trouve irrémédiablement distancé. Dans le temps, on ne pouvait pas être telle hâte. Il fallait calmement. M'impatiente pas, mon cher, j'arrive tout de suite. Toutefois, j'ai la possibilité de demander des informations à la gracieuse petite Maria qui a bien voulu m'accompagner. Qu'est-ce que tu vois de beau ? À droite,
quelqu'un de nous doubler. Maintenant, c'est le Chiroli, ton vieux copain de régiment. Oh, il a une voiture qui ressemble à un squale. Sale tête. Brave type pourtant, la crème des hommes. Mais une tête à claque. Oh, une tête qui vous donne la nausée, pas vrai, Maria? Quoi? Tu ne trouves pas que ce Chiroli, ce... Qu'est-ce qu'il est en train de nous doubler, maintenant? Non. Doc Fidoni, ton cousin, la mode bretonne, je ne me trompe pas. Mais il nous a dépassé il n'y a pas 10 minutes. Eh ben, on voit qu'il a pris goût. Oui, je l'ai aperçu dans le rétroviseur. Si je ne me trompe pas, c'est Georges Natas, ce saligo. Mais enfin, chérie, qu'est-ce que c'est que cette voiture qui laisse passer tout le monde? C'est parce qu'elle est en rodage, c'est embêtant, mais elle a un très long rodage, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est, juste comme voiture? Ah, c'est une 2002. Une qui naît dans le fond, il faut bien le reconnaître. Une nouvelle édition de la 2100. Qui n'était même, si je ne me trompe pas, qu'une variante de la 1800. Exact. Il est intéressant de noter que la 1800 dérivait avec de légères modifications de la 1500. Héritière directe de la glorieuse 1400. Précisément. Mais dans le fond, il n'y a pas grande différence entre la 1400 et la 1300. On pourrait même dire qu'elles ne sont toutes les deux qu'un développement logique de la 1800. Comme la 1100 était... la sœur cadette de la 750. Ah tiens, ah ça j'ignorais. Ce que je savais par contre, c'est que la 750 et la 600 étaient pratiquement la même chose. Si tu crois qu'il y avait une différence entre la 500 et la 600. Alors pratiquement, la 500, la 600, la 750, la 1100, la 1200, la 1300, la 1400, la 1800, la 2100, la 2200 sont la même voiture. Oh, c'est évident, non? Alors c'est peut-être pour ça que ta gamme a rentré le temps. Parce qu'aujourd'hui, elles se sont davantage une 500 qu'une 2200. Non, je te l'ai déjà dit. C'est parce qu'elle est encore neuve, je ne peux pas forcer l'allure. Il faut qu'elle se rôde peu à peu. J'ai fait regonfler les pneus. J'ai fait mettre dedans de l'air de Saint-Maurice. Ça coûte les yeux de la tête, mais il paraît que c'est sensationnel. Et puis, j'ai fait changer le filtre à air. Je t'en prie. Allez, ouvre la bouche. Davantage. Ah, on voit très bien quel filtre magnifique. Oh, certes, c'est autre chose. Tout autre chose de voyager aujourd'hui. Tu as vu? Je suis rodé maintenant. Oh oui, mais ne va pas exagérer désormais, mon trésor. Dis-moi, Maria, qui était dans la voiture que nous venons de dépasser? Prends ton cousin, la voix de Bretagne, Doc Spitoni. Et dans cette autre? Oh, je ne le jurais pas, mais il me semble bien que c'était le vieux Patrachi. Elle faisait un CD. Et dans cette autre? Ah, je te donne un mime. Qui? Est-ce que par hasard ce ne serait pas cet imbécile de Chiroli? Oh, ce serait trop beau! C'était justement lui! Comment tu fais pour deviner? Et comment tu fais pour devenir un aussi merveilleux conducteur? Hier, tu conduisais comme une pantoufle, et aujourd'hui, tu es... Oh, tu es... Oh, je ne trouve même pas un terme exact de comparaison. Je ne pourrais pas t'expliquer, Maria. C'est arrivé comme ça, subitement. Je n'ai pas compris pourquoi ni comment. Maintenant, tu es vraiment remarquable. Oh oui, Maria. Oh, maintenant, je sens vraiment que je suis étourdissant. Et c'est une sensation délicieuse. Oups! Dis-moi, Maria, qui était dans la Continentale que nous venons de dépasser en coup de vent il y a quelques instants? Tu sais qui c'était? Marcello Mastroianni. Et dans cette autre? Bon, je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble bien que c'était l'honorable Fontani en personne. Et dans cette Rolls? Cette fois, j'ai très bien vu. C'était Sa Majesté la Reine d'Angleterre avec ses enfants. Regarde-moi, cette espèce de bus en or. Oh, je serais curieux de savoir. Tu as vu, Maria? Impossible. Les rideaux étaient baissés. Excuse-moi, trésor, était-ce vraiment nécessaire de te faire faire une semblable réparation? Ce que je sais, moi, je suis allé comme chaque année à une visite de contrôle et le type m'a dit tout à trac. Vous savez, monsieur, il me semble entendre un bruit suspect là-dedans. Moi, je manquais de bruit. Il me dit un bruit qui ne me plaît pas du tout, il se peut que ce ne soit rien,
une bêtise, mais il se peut aussi que ce soit quelque chose de sérieux, je ne sais pas moi. Par exemple, un cylindre qui flanche. Un cylindre qui flanche. Mais pour pouvoir le dire avec certitude, naturellement, il faut ouvrir. Et pour ouvrir, ce n'est pas un travail de 10 minutes. Et puis, il y a la question de responsabilité, et ainsi de suite. Et c'est à vous de décider. Et moi, comme l'homme me paraissait bien connaître son affaire, je lui ai dit que oui, qu'il ouvre. Et moins d'une demi-heure après, ah, Maria, j'aurais voulu que tu vois le tableau. Tous les écrous et les ressorts éparpillés autour, j'ai pensé qu'ils n'arriveraient jamais à les remettre à leur place comme avant, qu'il faudrait des années de travail. Et au contraire, en 2 jours, ça valait la peine, non? Tu entends comme ça tourne rond? Quelle reprise! Elle est comme neuve! Oh, moi, tu sais, je pense que moins on se fait ouvrir, moins on se fait toucher, moins on se fait tripoter, et mieux ça va. Mais tu ne sens donc pas ce sprint qu'elle a, ces reprises, comme lorsqu'elle était neuve? Nous les dépassons tous. Tiens, par exemple, qui était dans cet immense paquebot jaune que nous venons de dépasser? C'était la famille Kennedy, au grand complet, qui partait en week-end. Ah, tu vois, tu dois bien reconnaître que la réparation était nécessaire. Et que maintenant, je file plus vite qu'avant. Ça doit faire 30 ans environ. Tu peux t'estimer heureux. Heureux. N'empêche que sous peu, il y a un salopard qui va me dépasser. Dis-moi, Maria, tu ne réussis pas à voir qu'est-ce que c'est comme voiture? Tu ne réussis pas? Celui qui fait tic-tac. Justement. Et dans la voiture, il y a aussi sa belle-mère, la comtesse de Clepsyd. Celle qui tricote tout le temps et qui ne dit pas un mot. C'est elle. Un maudit de famille. Je le savais que ça finirait comme ça. Un matin, le célèbre peintre Michio Pellegrinzan, qui s'était retiré depuis longtemps dans sa maison de campagne de Mercato, resta pétrifié en ouvrant son journal quotidien. Là, il est bien en deuil. Le peintre Predonzani est mort. Le 21 février, à la suite d'une grave maladie devant laquelle les médecins sont demeurés impuissants, le peintre Lucio Predonzani vient de s'éteindre il y a 2 jours. Le défunt avait exprimé la volonté que son décès ne soit communiqué que 2 jours après les obsèques. Suivait un article nécrologique fort élogieux, d'une colonne environ pleine de louanges, signée du grand critique d'art Stéphane, et de même une photographie qui datait d'une 20aine d'années. Abasourdi, n'en croyant pas ses yeux, Predonzani parcourut fébrilement l'article nécrologique, relevant en un clin d'œil, malgré sa précipitation, quelques petites phrases d'une réserve venimeuse, glissée ça et là avec une diplomatie indéniable, au milieu de volées d'adjectifs élogieux. Mathilde ? Qu'y a-t-il ? Viens, Mathilde. Attends un moment, je suis occupée à repasser. Mais
viens donc, je te dis. Tiens, un lit. Et avec le merveilleux illogisme des femmes. Qu'elle s'était sentie veuve un instant auparavant, touchée par le côté comique de la situation. Oh mon Dieu, que c'est drôle! Excuse-moi, Lucio, mais... tu sais, un deuil pour là. Et tu les essuies pas des roses. Allons, ça suffit, tu ne t'en rends pas compte. C'est terrible. Oh, absolument terrible. Ça va lui coûter cher, au directeur du journal. Il va avoir des nouvelles. Elle grandit se précipita en ville. Et courut tout droit au journal. Ah, je vous en prie, mon cher maître, asseyez-vous. Je vous écoute. Quel bon vent vous amène. Dans le journal d'aujourd'hui, en troisième page, il y a l'annonce de ma mort. De votre mort? Effectivement, oh, une petite erreur s'est glissée, une légère divergence. Divergence? Vous m'avez tué, voilà ce que vous m'avez fait, c'est monstrueux. Oui, alors, il se peut... je dirais que, dans le contexte de l'information, cela a dépassé un peu nos intentions. Cependant, j'espère que vous avez su apprécier à sa juste valeur l'hommage que mon journal a rendu à votre art. Ah, mais l'hommage, vous m'avez brûlé. Une petite erreur. Dites que je suis mort alors que je suis vivant, et vous appelez ça une erreur. Et s'il a pas de venir tout. D'abord, j'exige une rectification en bonne et due forme, exactement à la même place que cet article. Et je me réserve tous les droits de vous poursuivre en dommage et intérêt. Dommage? Mais, mon bon monsieur... Du maître n'était pas ce simple monsieur, vous récine. Vous ne semblez pas réaliser la chance extraordinaire qui vous arrive. N'importe quel autre artiste ferait des bons de joie. Ou comme ça. La chance. Oui, la chance. Et comment? Quand un artiste meurt, les prix de ses tableaux augmentent considérablement. Ainsi, sans le vouloir, oui, sans le vouloir, je l'admets, nous vous avons rendu un service inestimable. Et alors moi, qu'est-ce que je veux bien? Il va falloir que je disparaisse de la circulation? Que je me volatilise? Que je fasse de mort? Mais certainement. Si vous voulez profiter de cette sensationnelle occasion, réfléchissez un peu. Une belle exposition posthume, un battage bien orchestré. Nous tournons à notre côté pour la lancer. Ce sera une affaire de plusieurs millions, mon cher maître. Oui, mais alors moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Il va falloir que je disparaisse de la circulation. Mais dites-moi, est-ce que vous n'auriez pas un frère par hasard? Si, pourquoi? Il habite en Afrique du Sud. Ah, magnifique, magnifique. Et il vous ressemble? Oui, je sais. Il porte la moustache. Laissez pousser la vôtre aussi. Et dites que vous êtes votre frère. Tout passera comme une estrade. Vous ne faites pas confiance. Il faut mieux laisser les choses sur leur cours. Et puis, une rectification de ce genre. On ne sait trop à qui elle sert. Vous-même, pardonnez-moi ma sincérité, mais vous feriez une figure un peu ridicule. Inutile de le contester, les ressuscités ne sont jamais sympathiques. Et dans le monde de l'art, vous savez comment vont les choses. Votre résurrection, après tant d'éloges, produirait la plus mauvaise impression. Et je serai d'un goût douteux. Il ne sut pas dire non. Il rentra dans sa maison de campagne. Il se terra dans une pièce et laissa pousser sa moustache. Sa femme fit le deuil. Les amis vinrent la voir, tout spécialement Oscar Fadel, peintre lui aussi,
qui avaient toujours été l'ombre de prénoms d'indignes. Et puis, les acheteurs commencèrent à arriver. Marchands, collectionneurs, gens qui flairaient une bonne affaire. Les tableaux qui avant atteignaient péniblement 40-50 000 se vendaient maintenant sans peine 200. Et là, dans son ample plan d'esprit, Prénoms d'indignes travaillait, une toile après l'autre, en empilatant bien au monde. Un mois plus tard, sa moustache était assez fournie. Prénoms d'indignes se risqua à sortir, se faisant passer pour le frère arrivé d'Afrique du Sud. Il avait mis des lunettes et imitait un accent exotique. C'est fou ce qu'il ressemble, disaient les gens. Par curiosité, lors d'une de ses premières promenades après sa claustration, il poussa jusqu'au cimetière. Lucio Predonzani. Eh oui, Lucio Predonzani. Vous le connaissiez? Oh, vous savez, on ne connaît jamais assez les gens. Souvent, c'est seulement après leur mort que l'on découvre qu'ils étaient ce qu'ils valaient. Lucio Predonzani. Oui. Oui, je l'ai bien connu. Enfin, je veux dire, de son vivant. Je ne le voyais pas souvent, comme j'habite en Afrique du Sud, mais comme je suis son frère. Ah, pardon, permettez, monsieur, que je vous présente mes condoléances. Je trouve que vous lui ressemblez beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mon ami. Je vis en effet des moments très difficiles. S'il vous plaît, j'aimerais beaucoup m'approcher du cercueil de mon frère. Pourriez-vous m'ouvrir la clé? Oh, avec plaisir. Oh, je veux dire, très volontiers. Il ouvrit la serrure de la petite porte de bronze, descendit dans la crypte où les cercueils de ses parents étaient empilés l'un sur l'autre. Comme ils étaient nombreux, il y en avait un tout neuf, très beau. Lucio Predonzani utile sur la plaine de Pino. Le couvercle était fermé par des vis. Avec une crainte obscure, il frappa de s'y voir replié sur un banc de la caisse. Le cercueil s'en a creux, heureusement. Curieux, au fur et à mesure que les visites d'Oscar Pradel se faisaient plus fréquentes, Mathilde s'épanouissait, semblait rajeunir. Le deuil, c'est certain, mais bien. Alors, Zanny observait sa métamorphose avec un sentiment mêlé de plaisir et d'appréhension. Un soir, il se rendit compte qu'il la désirait. Comme cela lui était plus arrivé depuis des années, il désirait sa veuve. Quant à Pradel, son assiduité n'était-elle pas intempestive? Mais quand Prénom Zanny fit remarquer à Mathilde, elle réagit presque avec agressivité. Qu'est-ce qui te prend? Pauvre Oscar. Ton unique véritable ami, le seul qui te regrette sincèrement. Il prend la peine de consoler ma solitude et tu le soupçonnes. Tu devrais avoir honte. En attendant, l'exposition posthume fut organisée et remporta un magnifique succès. Elle remporta tout ferait payer 5,5 millions. Après quoi, l'oubli, avec une rapidité impressionnante, descendit sur Predonzani et son œuvre. Son nom était cité de plus en plus rarement dans les rubriques et dans les revues artistiques. Et bientôt, il en disparut complètement. Avec une stupeur désolée, il constatait que même sans Lucio Predonzani, le monde continuait à tourner comme avant. Le soleil se levait et se couchait, comme avant. Comme avant, les domestiques secouaient leurs tapis le matin, les trains fonçaient, les gens mangeaient et s'amusaient. Et la nuit, les garçons et les filles s'embrassaient, debout contre les grilles sombres du parc, comme avant. Jusqu'au jour où
sans hâte, tandis que la nuit venait. Lentement, il enleva avec un canif les vis qui fermaient le cercueil tout neuf, son cercueil, celui de Lucio Pregonzano. Il l'ouvrit, très calme. S'y étendit sur le dos, prenant la pose qu'il supposait devoir convivre aux défunts pour leur sommeil éternel, il la trouva plus confortable qu'il ne l'avait prévu. Sans se troubler, il ramena tout doucement au-dessus de lui le couvercle. Lorsqu'il ne resta qu'une toute petite fente, il prêta l'oreille quelques instants, au cas où quelqu'un l'aurait appelé. Mais personne ne l'appelait. Alors, il laissa retomber complètement le couvercle. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieil Hermogène ? Regarde, Seigneur. Est-ce que tu regretterais ta jeunesse par hasard ? Est-ce que tu voudrais être l'un d'eux ? Oui. Et pour redevenir jeune, tu renoncerais au paradis ? Oui. Mais sais-tu quel est leur destin ? Le rêve de gloire, ils ne la connaîtront peut-être pas. Ils ne savent pas que la gloire n'est que vanité, que la renommée est souvent éphémère. Rêve d'amour. Ils seront trompés. Ils connaîtront même la haine. Oui, Seigneur, je sais tout cela. Ils font des projets. Mais peut-être demain seront-ils morts. Mais enfin, Hermogène, moi je ne comprends pas. T'as le bonheur de façon illimitée ici, et personne ne t'enlèvera toute l'éternité. Oui, Seigneur, mais en ce moment, ces jeunes gens, que l'avenir soit bon ou mauvais, ils ont l'espoir. Est-ce que je m'explique? Le merveilleux espoir, tandis que moi, quel espoir puis-je avoir? Moi, serais bien heureux, baignant dans la gloire des cieux. Mais oui, c'est ça, moi, je suis le grave inconvénient du paradis, qui a plus d'espoir. Alors, si je te comprends bien, tu voudrais que je te réexprime parmi eux. Tu veux tout recommencer depuis le début, sans te préoccuper des difficultés que ça comporte. Bon, eh bien, va. Mais n'oublie pas, nous t'attendons tous ici. Et reviens-nous, sains et saufs. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Je m'appelle Hermogène. J'espère que nous deviendrons amis. Viens t'asseoir avec nous. T'es nouveau dans le quartier ? Oh oui, je viens juste d'arriver. Et où t'habitais avant ? Oh, ça, c'est très difficile à expliquer. Bah, raconte-nous.
Eh bien voilà, j'étais au paradis. C'est pas ça.